Pourrais-tu me décrire ta grande sœur ? Elle est grande comme ça. Jolie. Très jolie. Les cheveux roux. Les yeux verts. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, Max ? Je crois que tu lui manques beaucoup. Ouais, même un peu beaucoup trop. Elle s'est incrustée dans le film. Sauf qu'on n'est pas dans Stranger Things. Hé ! Ah oui, en effet, sinon je t'aurais monté en l'air comme un démon gorgon depuis un moment. Du maquillage. Elle se fait belle pour moi ? Bah bien sûr, elle a Dieu que pour toi. C'est quand la dernière fois que tu l'as vue ? Non mais c'est bon, on a compris. Que tu veux retrouver ton grand amour de Max. Eh wesh, ferme ta gueule, toi ! Wouh, putain, moi j'aurais pas dit mieux. Non mais quelle vulgarité celle-là ! En tout cas, je suis team El Max. Bon, on va retrouver Max. Je pourrais être à votre mariage et être votre témoin. D'accord, marché conclu. Trop bien, t'es ma future belle-sœur. Bon, en tout cas, elle est mieux que Billy. Je vais vous montrer comment espionner quelqu'un dans la rue et vous allez voir, c'est hyper simple. C'est bizarre, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Oups, là, je me cache. Non mais elle croit vraiment que je l'ai pas vue. Elle est trop pas discrète. C'est bon, elle m'a pas vue, je suis trop forte au cache-cache. Continuons à la suivre discrètement. Non mais elle est encore en train de me suivre. Oh, bonjour monsieur, vous aimez le pudding ? Moi j'adore le pudding. Oh oui, j'adore tout ce qui est séance de pudding. Oh putain, mais non, je rigolais. Hein. Merde, où est-ce qu'elle est partie ? Ah, elle est là-bas, vite, faut que je la rattrape. De manière toujours discrète, hein. Oh, elle rentre dans un bâtiment, voyons voir ce que c'est. Alors, ça s'appelle The Paragon. Bon bah, rentrons à l'intérieur. Oula, ça a l'air un endroit un peu dévergondé, c'est pas trop de mon âge, je crois. Bonsoir jeune fille, toi aussi tu veux voir de jeunes filles danser juste pour toi ? Oh oui, pourquoi pas, j'espère qu'il y a Max. Eh ben ça fera $1. Bah tenez, depuis quand je dois payer pour voir Max, wesh ? Oh mais, y'a pas à jeter les gens comme ça ! Casse-toi, espèce de pochetron ! On s'enlève doucement, doucement. Sherlock ! Tu trouves pas que la Terre, elle tourne vachement vite, là, aujourd'hui, non, je sais pas. Peut-être parce que vous avez un peu trop bu. Pas du tout. Oh, mais si, vous êtes torché ! Juste 2-3 verres, ou peut-être 15. Mais lui, tu vois, là-bas, il voulait pas me servir mon 16e verre. Et puis, j'ai pas de pote qui s'appelle Modération, tu vois. Oh, attention ! Et puis de toute façon, j'ai aucun pote du tout. Ouais, je l'avais bien remarqué. Faut vraiment que je lui trouve un pote qui s'appelle Modération d'Urgence. Et si je te dis que j'ai envie de vomir hein. Oh putain, faut que je le dépêche à le monter. Oh, un lit, enfin. Il a un sérieux problème. Mais ouais, j'y crois pas qu'il a dit que j'étais pas raffinée et pas élégante. Non mais moi, pas élégante. Non mais ouais, ça va pas bien dans sa tête. Moi, je suis super élégante, hein. Je suis brillante. Et Nola, c'est vous ? Oh merde, j'ai plein de pudding dans ma bouche. Eh ben dis donc, quelle élégance. Ouais, je sais. Moi aussi, j'adore le pudding. Dans les deux sens du terme, bien sûr. Tout le monde aime le pudding. C'est super amusant. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'y ai jamais fait, hein. Savez-vous ce qui est étrange ? Je jurais de vous voir mater mon boule. Oh, peut-être juste un petit peu. Eh bien, je suis très honorée. Surtout que je fais un peu... des squats tous les matins. Et je vous dis bon pudding. Hey voilà, donc, je m'en vais. Allez, salut. Oui, au revoir. Attends que je mate encore un peu son boule. Ah oui, c'est vrai qu'il est vraiment beau. Ça se voit qu'il fait des squats. Vous trouvez pas ? Non ? Attendez que je remette une deuxième fois. Ah oui, j'aimerais trop le toucher. Bonjour. Mademoiselle Holmes. Et voilà, c'est pas moi qui l'ai tué, hein. Très suspect tout ça. Hein ? Pourquoi il dit ça ? Ah, peut-être par rapport au sang qui est sur mes mains. Oh mais non, c'est pas son sang, c'est parce que j'avais mes règles. Oh Berk, mais c'est encore plus suspect. Mais non, elle est juste morte comme ça. Et moi à côté, j'avais seulement mes fuites de sang et j'avais pas de tampon et j'ai seulement trouvé mes mains. Et c'est encore plus bizarre dit comme ça. Bonjour, je rentre sans être invitée. Mon diagnostic, elle est morte. Non, sans blague. Je cherche où est-ce que j'ai demandé votre avis. Non mais il est sérieux le vioque là ? Parce que je suis une femme ? Oui, les femmes toujours à parler. Ouais, on est en 1800. Donc fermez-la. De plus, vous êtes suspecte. Alors je le répète, c'est le sang de mes règles. C'est pas son sang, ok ? Jeune fille, toutes les preuves mènent contre vous, donc je vous emmène en prison. Et wesh, Rémus Lupin, depuis quand t'es devenu méchant ? Parce que j'ai envie, c'est tout ! Et ben si, c'est comme ça ! Tiens ! Oh, mais cacahuète ! Prends ça de
salut. Bien ou quoi? Elle est trop charmée, votre soirée, c'est du loup, wesh. Quel est donc ce langage? Je ne comprends guère. Ce que je veux dire, c'est... comment dire? C'est trop swag. Pardon? Et je suis sûre que si je vais danser, je vais enflammer la piste. Quoi? Enfin non, pas littéralement. Ça veut dire que je cherche grave à la danse. Est-ce que je peux m'ambiancer avec toi, le jeune moustachu? Quoi? Vous parlez de moi? Bah oui, l'autre, il est vieux. Vous êtes en train de le draguer? Vous draguer? Hein? Vous vous rendez pas compte que vous draguez mon fils, espèce de déferconté? Moi, une déferconté? Je vais te goumer, tu vas rien comprendre. Allez-y, essayez. Quoi? Il est sérieux? Je vais pas vous cacher qu'elle me fait un peu peur. Mais moi, je voulais danser! Danser toute seule! Quoi? Je vais me prendre un râteau, là! Cassez-vous! Je m'en fous, de toute façon, vous êtes pas mon genre! Oh, je trouve qu'il fait chaud! Ouh, quelle chaleur! Oh là là là! Quoi? Vous faites ce geste à moi? Non, pas du tout. Ouh, j'arrive. Oh my god, en plus il est moche. Mais voilà, je serai ravie de faire de pudding. Casse-toi. Bon, tant pis, je vais faire du pudding tout seul. Ouais, c'est ça, va te faire de l'auto-pudding. Mais il a vraiment cru qu'il avait une chance avec moi, wesh. Oh, les feuilles sont tellement jolies. Ah tiens, il veut voir des fleurs? Eh ben, il va voir la mienne. C'est bon, personne ne me regarde, je peux sniffer. Ah oui, ça sent bon. Ah, c'est marrant que tu sentes des fleurs. Parce que là, tu vas sentir ma belle fleur. Allez, viens, on va dans la salle de bain pour faire une séance de pudding. Oh, ils vont faire des trucs dans la salle de bain, les dégueulasses. Et venez pas nous déranger. On veut une séance de pudding, maintenant. Attendez, quoi, maintenant? Comme on dit, c'est maintenant ou jamais. Mais... vous êtes au courant qu'on est dans une salle de bain, là? Oui, justement, je trouve ça super romantique. Ah oui, pourquoi ça? On peut faire ça dans la baignoire. Ah bah non, après je vais être toute mouillée, c'est trop chiant pour me sécher après. Oh, et puis on s'en fout, je vais le faire. Moi, je voulais juste danser. Ok, bon, on va danser. Ouh, on tourne et ouh, et ça fait tourner la tête. Et il me refait encore tourner, tu veux que j'ai le tournis ou quoi? Oula, mes lèvres sont si proches de la sienne, il veut que je les mange ou quoi? Encore un petit tour et ouais, on s'embrasse et oh! Oui, je vais pas déranger comme ça! On squatte les toilettes! Faudrait peut-être partir! Et notre séance de pudding! Eh bien, regardez! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ken Me! Ah d'accord, bon, faudrait peut-être que je sorte! Ouh, putain, j'ai une grosse chichi, ça pue sa mère! Oh mon dieu, c'est rentré dans mes naseaux! Oui, c'est comme ça que j'ai attrapé une MST. Oui, c'est ça, par la tête de pure. Vous le kiffez grave, n'est-ce pas? Hein? Non! Je veux dire... je le regardais juste, c'est tout. Vous êtes une piètre menteuse, vous le savez? Ouais. Bon, d'accord, il me fait mouiller quand je le regarde. J'ai envie de le croquer. Ouais, et après je lui ai dit, oh non, une MST, c'est pas cool. C'est vrai qu'il est pas mal. Je peux le pécho? Je vais te tuer! Message reçu. Ouais, c'est ça, t'as pas intérêt à le toucher, espèce de fausse blonde! Bonjour! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas reçu le message? Y a votre ami qui m'a dit que vous lui faites mouiller. Eh, quoi? Oh la balance! Non, c'est pas moi! Ah oui, je sais bien, ça fait même plusieurs heures qu'elle me fixe, c'est même un peu flippant. Alors, qu'est-ce qu'il dit de moi? Et c'est elle qui vous envoie? Bah sinon, elle me tue en fait. Ah d'accord, je vois. Et voilà les gens, comment aborder son crush! Alors, c'est cool la prison? C'est aussi froid et lugubre que mon âme. Pas la peine de penser à vous échapper, c'est la prison la plus sécurisée du pays, même Azkaban est ridicule à côté. Alors, t'as le seum, hein? Je me suis bien échappée du labo Dawkins, donc c'est pas ta petite prison de merde qui va m'arrêter! Vous savez, ça me fait mal au cœur de vous voir croupir ici. Et non, je déconne, t'as cru que j'avais un cœur? Fait de belles lurettes que j'en ai pu. Ah oui, j'ai vu ça. Vous savez, c'est pas très gentil d'être méchant. Je suis sûre qu'à la maison, vous êtes un gros canard avec votre femme car vous n'avez pas de yoku et c'est pour ça que vous vengez au travail. Et je suis pas un canard, ok? Mais canard, c'est mignon. Et moi, je suis pas mignon, je suis ton pire cauchemar, donc redis plus jamais que je suis un canard, d'accord? C'est pas parce que je dis tout le temps oui à ma femme car elle me fait peur que ça me fait de moi un canard, d'accord? Puis vous m'avez déjà vu dans une mare.
Voilà l'argument ultime que j'en suis pas un. Ça va péter! Hey, j'ai fait un trou! C'est bon, tu peux sortir de ta prison! Ah, très bien, j'arrive! Let's go, évadage de prison! Coucou! Oh, câlin! Je me suis déjà évadé d'Azkaban, donc j'allais pas te laisser dans cette prison. Mais apparemment, c'était la prison la plus sécurisée du pays! Ridicule! Il y avait même pas de détraqueur, et moi je peux tout faire péter avec une seule allumette! Et encore, ils ont de la chance que j'ai pas ma baguette! Parfois, ma mère me fait un peu peur. Oh, mais on voit des manières! Oh, mais qui est-ce qui nous tire dessus? Lupin? Normalement, c'est moi la méchante paluche! Génial! Oh, je crois que la calèche est tombée. Bellatrix, comment on se retrouve? Coup de boule! Yeah! Yeah! Attention, ça va péter! Courez! Et tu peux m'attraper! Oh, mais... Ah, il s'est transformé en loup-garou. Il faut que je vous dise quelque chose très important. Oui, c'est quoi? Oh non, toi derrière cette porte, tu fais chier, hein? Oh mais pourquoi dites-vous cela? Parce qu'elle vient de nous interrompre. Et alors, c'est pas grave? Oh que si, c'est grave. En tout cas, je vais ouvrir. Je suis cachée, on me voit pas. Alors, c'est qui? Oh non, il te pue. Oh, bonsoir, mademoiselle. Allez-y, entrez. Bonsoir, je suis venue pour vous avouer quelque chose qui me titille depuis un moment. Oula, qu'est-ce qui lui titille, elle? Bon, voilà, je crois avoir compris que vous aimez beaucoup le pudding. Sérieux, elle, là? Oula, je crois qu'il est temps de partir. Ouais, c'est ça, fais-la partir. On en reparlera un autre jour, d'accord? Bon, ça va, je te gêne pas. Parler du dessert, hein. Mais oui, bien sûr. Quoi, vous êtes jalouse? Je suis pas jalouse. Mais attendez, ne partez pas, je voulais pas vous offenser. Attendez, est-ce que vous aimez cette fausse blonde? Non, c'est vous que j'aime. Allez, venez tout de suite dans ma demeure pour faire plein de séances de pudding, vous allez voir, c'est non très... Pourquoi dans votre demeure? Non mais ouais, je fais pas ça dedans. Moi je fais ça dehors parce que je vous aime. Vous voulez faire ça dehors? Rien de tel que de l'air frais pour faire du pudding. Ah ouais, grave. Ouais, attendez-moi ici, faites le gay, s'il y a quelqu'un qui arrive, dites-le moi discrètement du genre, hey, il y a quelqu'un. Eh mais je suis pas gay, moi. Non mais faire le gay, le guetteur. Non mais il est con, lui. Ah d'accord. 2 hours later. Et Nola, je vois pas l'intérêt de faire le gay, enfin le guetteur bien sûr, parce que dehors c'est aussi désert que la sensualité de ma grand-mère. Oh merde, j'ai dit ça devant lui? La gênance. Bonjour Superman. C'est pas le moment. Regarde à droite. Hein, quoi? Oh mon dieu, il est dead. Oh oui, dead de chez dead. Oh mais ça veut dire qu'il est plus vivant? Bah oui, c'est le but d'être dead. Oh mais quel gâchis, il avait même pas fini son cigare, ça coûte cher ce truc. Il a même pas aussi fini son cognac. J'en conclus que le mort est un gaspilleur. Il est donc contre l'écologie. J'avoue, les gaspilleurs c'est pas cool, hein. Vous savez, j'ai un peu appris à comment draguer une fille. D'après ce que j'ai vu, bah vous êtes nul, hein. Bon, en même temps, c'est mon oncle Gérard... qui m'a tout appris. Gérard, le gros pauvre de la famille! Ne vous méprenez pas, il drague toutes les gonzelles du pays! Ouais, j'ai vu ça! Et si on faisait un test où je vous drague? Un test de drague attitude? Maintenant? Eh ben oui, pourquoi pas, comme ça vous pourrez me dire si je me suis améliorée. Bon, d'accord. Mais j'en doute fort. Et mademoiselle, vous êtes charmante. Ah! Mais ça fait mal, hein! C'était vraiment nul à chier! Et tiens, prends ça! C'était gratuit! Parce que t'as une tête qu'on a envie de frapper! Oui, bon, peut-être bien, mais pourtant là, j'ai rien dit! Oh, mais justement! Tiens! Hey, mais ça suffit! Et tiens, encore. Mais arrêtez de me frapper! Mais j'adore vous frapper! Et tiens, viens là, toi! Elle vient de me frapper et après, elle m'embrasse? Je comprends pas. Les femmes ne sont pas logiques! Fais comme Bellatrix. J'aime mettre des poignards sous la gorge des jeunes filles. C'est amusant, n'est-ce pas? Non, c'est pas drôle! Bah pourtant, regarde-la, elle a l'air de s'amuser. Bref, c'est pas tout, mais donne-moi ton dessin beautiful. Elle a l'air bonne, ça m'a Marie! Coup de pied dans les yeux! Oh, bien fait pour toi! Hey les gars, regardez, j'ai toujours voulu devenir acrobate! Donne-moi ton dessin beautiful. Oh non, je tombe. Ah, heureusement qu'il y a ça pour me retenir. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Mais... Ah, il a plus de yogourt. Il est dead. Wesh, y a pas volé les dessins beautiful.
ça me gêne ça. Allez, ça dégage. Hé hey, tu te dessines. Wow, tu te calmes, sinon c'est moi qui te dessine. Je monte sur cette table parce que j'en ai marre qu'on me dise que je suis une poêle de carottes. Ah ouais, t'es une poêle de carottes. Ferme ta gueule, toi. Ouais, et puis y a pas que les carottes qui sont orange. Regardez ces briques. Elles sont de couleur orange. Hein? Alors ta gueule, poêle de brique. Ta gueule toi-même, sinon je mets ton bâton là où je pense. Vous rendez compte que c'est roussiste ce que vous dites, et c'est pas gentil. Donc moi je dis, stop, ça suffit. Et il faut arrêter ça. Ouais, elle a raison. Alors, qui est contre les roussistes? Ouais, elle a raison, Max. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Max dans Stranger Things? Ouais, et puis ils sont sympas les Weasley dans Harry Potter. Pas contente. Pas contente. Pas contente. Pas contente. Pas contente. Ça suffit maintenant. Par contre, j'ai mal aux pieds. Voilà les gens, si vous êtes contre le roussisme, tapez du pied. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu mes petits skies. Et maintenant, regardez si Enola Holmes 1 était doublé. Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui dis, alors faites-le. Abonne-toi, mon petit ami.